Voilà, parfait. Hey. Oula, oh pardon, monsieur l'eau. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vais être un véritable vrai crack. Bon, ah pardon, excuse-moi. Je l'ai marché sur le pied. On a qui a le pied carré? Non, ils sont pas sur la chaîne là aujourd'hui. Ah. J'adore l'humour, je la pratique depuis 1850. Aujourd'hui, quatrième épisode de la série où les joueurs de foot de Ligue 1 me défient. Est-ce qu'on découvre le joueur tous ensemble de Tidachi? Est-ce que vous voulez le découvrir? Waouh, il est là, putain! Ah non. Pardon. Théo Pelnard, défenseur de la Géoxère, nous lance donc aujourd'hui des défis, ça fait extrêmement plaisir, un grand merci à lui. Il revient de blessure en plus, donc ça fait très plaisir qu'il puisse de nouveau fouler les pelouses de Ligue 1. Donc aujourd'hui, il nous a lancé 3 défis plus un bonus si on est vraiment chaud, mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais être exceptionnel. Salut Vaem, c'est Théo Pelnard de la Géoxère. Bah écoute, pour toi, un petit challenge. Donc 3 défis que je t'invite à relever. Donc le premier défi, ça va être un crossover plus barre. Et écoute, bah, je vais te laisser réaliser d'abord ce premier défi, puis après, je te parle des autres. Crossover plus barre. Ça y est, on s'est positionné, on a positionné les caméras. Comment vous allez? Moi, ça va très bien. Ouais, super. Laisse faire les pros, s'il te plaît. Ok. Nope. Poteau. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, bien entendu, si on réussit tous les défis, on vous fera remporter sur mon Instagram le maillot dédicacé par Théo. Bon, voilà, il pleut. Pas grave, ça n'a jamais eu à empêcher personne de jouer. Oh, il le fait mieux que moi. Regardez-moi ces galériens là, ils sont en train de tenter le geste. Ouais, Coco, vas-y, fais-moi un crossover. Ouais, 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 il est super, Coco, c'est vraiment... Allez, Anto, régale-nous, c'est maintenant. Là, t'es devant la caméra. Ouais, presque. Oh, oh, par contre, il est incroyable le but. Les gars, pour vous, là, je le mets là maintenant direct. Oh, oh sa mère, là. Bruh. Vas-y, viens, Coco. Allez, allez tout le monde, pour Coco, allez. Go, 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 go. Oh mais non. Non, Coco, c'était pas ça le but du jeu. Anto. Oui. Oh, dommage. La dextérité. Vas-y, ça passe à chaque fois, ça. Fais déjouer les stats, Coco. Ils ont au moins un. Non, il a pas fait déjouer les stats. Il est à 0 sur 86. Putain. Théo, c'est pour toi, j'espère que tu te régales là. Mec, ça fait un mois et demi qu'on a pas tourné, on choisit un jour, il pleut. C'est fou. Oh. Oui. On la laissera au montage. De l'amélioration. Que j'ai marqué ça de toute façon. Non mais Coco, jette le ballon aussi, non? Théo, je te prouve que tu peux me recruter à la Géoxère. C'est le pire, mais ça passe. Tu veux que je te dise? Je crois que c'est parce que je me suis pété la gueule. Alright. I believe I can fly. Super, bien joué, franchement, félicitations, parce que ça n'était pas facile du tout, crossover plus bas, bien joué, chapeau. Je crois que c'était le pire équilibre possible pour réussir ce défi, mais ça passe, comme quoi parfois il faut un petit peu de chance. Bien joué, Kevin, bravo, félicitations. Théo, j'espère que tu as kiffé, bah, je pense que pour le prochain match de Auxerre, on peut peut-être faire une banderole VAM. Ouais. Donc, je suis d'accord. Je propose le projet. On va passer au second défi, mais juste avant ça, je tenais à remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Futsarbox, qui permet de soutenir la chaîne. Vous l'avez compris, c'est en lien avec le foot, donc ça c'est cool. Futsarbox, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte de surprise de football. Avec la pluie, ça a un petit peu bavé. Je m'excuse, mais je ne contrôle pas, je ne suis pas Evelyne Delia, ok? On se calme. À l'intérieur, les amis, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir dans un premier temps des figurines de foot. Donc, on a Ousmane Dembélé, vous voyez, les détails sont vraiment sympas. Et ici, on a
Frankie de Jong. C'est des petites figurines à collectionner, ça c'est plutôt cool. Elles sont sur un socle que vous pouvez poser en petite déco. Vous avez le choix entre ces 6 clubs qui apparaissent à l'écran et bien entendu, au fur et à mesure, de nouveaux clubs arriveront ainsi que de nouvelles figurines. Vous avez le choix bien entendu de choisir 2 équipes que vous ne voulez pas recevoir et vous allez recevoir du coup un coffret d'une des 4 équipes restantes. Et pour accompagner, redonne-moi cette petite box. Oh pardon, je l'ai... Et dans cette petite boîte également, vous avez un fascicule, un petit magazine en fait, les stats, les anecdotes sur les joueurs et bien entendu, moment nostalgie, vous avez des petits posters à détacher. Qui avait des posters à son époque? Moi. Il y avait un truc de Gourcuff, frère. Moi j'avais 10-12 ans, je mettais des posters dans ma chambre, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de murs disponibles. Ouais, j'ai commencé le foot à 12 ans donc j'avais pas de posters. Ok. Vous avez plusieurs formules pour vous faire plaisir avec de nombreux avantages, c'est-à-dire que quand vous allez commander, vous allez pouvoir participer à des concours pour tenter de gagner des maillots des équipes de votre choix, des places dans des matchs de votre choix. Et petite surprise, avec le code VAEM, vous avez pour tout abonnement annuel souscrit votre première box à 1€ seulement. Donc n'hésitez pas à checker ça, encore un grand merci à eux pour la confiance. Et nous, on est parti pour le second défi. Bon maintenant, deuxième défi pour toi. On va dire que tu vas prendre un petit mètre derrière la ligne de but. Et tu vas essayer de m'enrouler ça style corner, tu vois, rentrant. Donc voilà, un mètre derrière le but, corner rentrant. Tu sais quoi, je rajouterais même, c'était très très bon, tu me fais la même externe du même pied. Je pense qu'il parlait pas de moi quand il disait que c'était assez bon. Alors on s'avance un peu parce qu'il y a un grillage et on peut pas aller au-delà. Mais un mètre, c'est un mètre là frère, regarde, moi je fais 1m70, si je mets comme ça, ça c'est... c'est la mesure VAEM. Le VAEM au mètre. Ok, c'est validé le premier mais essaye de le faire sans rebond. Oh, moi j'ai fait le premier défi donc je leur laisse celui-là. Oh, dommage, t'es pas loin du tout. Oh. Il a enlevé le maillot, tu peux me refaire comment t'as fait à enlever le maillot? Non, je me suis claqué. Il pleut beaucoup là, non? Non mais frère, c'est 1 mètre, pas 2 mètres non plus, gros. Oh. Oh, magnifique. Eh, hey, le Messier là. Oh ta gueule, respecte le logo, frérot. C'est le Messier. Eh, c'est Metz ou Bordeaux qui va se qualifier en Ligue 1? Bordeaux. T'es opener, ancien bordelais, je me devais donner ce beau logo. C'est vrai. Parce que le joueur en vaut la peine. Arrête ça. Du coup, t'as quoi à dire à Théo? Du coup, je vais tenter l'extérieur du pied. J'ai réussi à l'intérieur. Ok, ok, on passe de l'autre côté. C'est parti. Oh! Oh là là, mais il est chaud! Mais comment vous faites pour faire l'extérieur? Jamais j'y arrive moi! Eh Théo, t'as pas dit que c'était moi qui devais le réussir, hein? Ça peut être mes potes! Oh! Oh, dommage! Oh! Y'a un rebond? Ah dommage, il y a un rebond mais c'est pas grave. Le joueur français qui va s'avancer, le bordelais Josh Maja pour le corner, excentré. Magnifique. Elle est plus rentrée que dehors. Attends, je le refais. Ah il veut le refaire. Bon c'est bon, on dit que c'est bon. Non. Oh putain, on se prend la pluie les gars là. Attends les gars, non mais je vous fais un petit vlog quand même dans les coulisses. Je suis en train de m'en prendre plein la gueule là. Yes. Sous la pluie, on est bien. Aïe mon catin, imagine-toi que t'es au stade Matmut Atlantique. Oh le fils de... Bon VAEM, félicitations pour ces 2 premiers défis plus le bonus, franchement bien joué. Bon c'est le tournage le plus que sous la pluie qu'on ait fait de l'histoire de la chaîne. J'ai une question. Oui. Enfin j'ai une affirmation. Ok. Il pleut fort un peu non? Oui. Écoute maintenant pour ce troisième défi, on prend 10 mètres avant la ligne de surface de réparation, tu te la lèves. Tu la mets sur la tête, tu jonques jusqu'à la surface de réparation et arrivé juste avant, reprise de volée, pied gauche, pied droit, but du jeu, faut que ça rentre direct. Donc voilà, allez, place au troisième et dernier défi. Ah oui, tu me jongles avec la tête, ouais. Ok, ok, ça marche. Surface. Quentin, tu veux le tenter? Oui. Quentin, je pense qu'il est le plus... Mais attends, j'ai pas demandé à Théo, mais pour moi, c'est jongler avec la tête. Oh non! Il avait... Oh ouais, ok,
Ok, ok, ok. Assure. C'est encore plus dur. Oh, le vent. Non mais... Encore un, c'est d'un ou d'un. Oh oui. Bah, après j'ai fait un... Et après il a fait un contrôle genou aussi. Merci Théo de nous avoir fait galérer sous la pluie. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les gars, merci beaucoup d'être venus sous la pluie. Là, on a pris très cher. Je compte sur vous, les gars, vraiment pour laisser le pouce bleu. Parce que là, on en a vraiment chié. A très vite pour de prochaines vidéos. Prenez vraiment soin de vous et peace.